Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur The Finals, c'est sorti sur à peu près tout, ça doit être sorti sur PC, sur Xbox, sur PS5, et je sais pas si c'est sorti sur Switch par contre, on est sur PS5, c'est une découverte, c'est sorti il me semble le 8 décembre, mais j'avais pas joué avant, c'est la première fois que je le démarre. C'est la dernière petite vidéo avant Noël, et puis peut-être qu'après j'en ferai une, normalement une grosse pour le 31, et peut-être entre deux je ferai une petite vidéo bilan, je ne sais pas. Donc on va commencer, donc quoi, poids plume, rapide, résistance faible, utiliser terrain, machin, ok, poids moyen, santé, vitesse, déplacement, et là, grande résistance, vitesse de déplacement faible, spécialiste en démolition. En vrai ce serait plutôt ça mon profil, mais on va faire plutôt poids moyen. Allez, on va passer le didacticiel, on s'en fout, on y va comme ça, on ouvre pas le pass de combat, on s'en fout. Allez, laisse-moi tranquille. Évidemment, dans l'équipement, ça ressemble beaucoup à Fortnite, le menu, je joue pas beaucoup à Fortnite, même j'y joue jamais, hein, j'ai dû faire 3 parties dans ma vie. Mais, comment dire, en fait je le démarre pour jouer à Lego Fortnite que j'ai essayé. Et donc, je trouve que le menu ressemble beaucoup. Modifié, boutique, machin, ouais. Équipement. Bon, après, bah voilà, il y a des trucs. On peut acheter avec du vrai pognon, certainement. Ou acheter avec le pognon gagné dans le jeu. Ok. Boutique, machin. Modifié. Est-ce qu'on peut. C'est là que vous choisissez une spécialisation parmi les options disponibles. Ici, équipez-vous de vos armes et gadgets. Accédez aux objets de votre réserve, équipez-vous. Et quand vous réapparaissez. Ou entre les manches. Ok. Bon. Bah pour l'instant, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre. On va juste regarder. Est-ce qu'on peut changer un peu de style? Ou est-ce que c'est... Excusez-moi. Ou est-ce que c'est que des trucs... Ah ouais, après, c'est payant. Ou... ouais, ok. On va être plutôt celui-là quand même, malgré tout. Type de corps. Ouais, ça c'est pour choisir... J'allais dire, c'est pour choisir homme ou femme, mais même pas. C'est... Ouais, c'est pour faire plus costaud. Ouais, si, on dirait que c'est ça quand même. Je sais pas. Bref, on va regarder un petit peu la personnalisation vite fait. Bon, il y a quand même quelques trucs, c'est pas mal. Après, ils ont quand même fait en sorte qu'on puisse personnaliser un peu. Donc, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de trucs qu'on peut faire sans sortir l'argent. Visiblement. Ok, accessoires de tête, ouais, bon, bah tout ça, il y aura des chapeaux, des machins, ok. Accessoires de visage, peinture du corps. Haut du corps. Ok, bon. On peut visiblement mettre pas mal de petits trucs. Les expressions, compagnon, ah ouais, on a un chat, ou un corbac, bon. On peut aussi personnaliser l'arme, avec des skins et tout. Ok, bon. On va faire jouer. Partie rapide. Oui, bon, on va faire ça, hein, de toute façon. Et puis, on va y aller comme ça. Je vais couper le micro de la manette, comme ça, j'emmerderai pas les gens. Et puis on va y aller comme ça. Oui, ah, fallait que j'appuie, pardon. J'étais en train d'attendre, moi. Je me dis bon bah vas-y, cherche. Mais non. Fallait pas il fallait pas que j'attende, il fallait que j'appuie. Au pire je ferai un cut si c'est un peu long. Hein. Partie trouver connexion serveur. Bon, ça a pas l'air très long. Vous l'avez vu hein, je suis vraiment niveau 0, j'ai 0 XP, 0 pièces, j'ai rien. Hein. Donc vous attendez pas un gameplay de malade. J'avais dit qu'avant Noël ce serait des petites vidéos tranquilles. Donc voilà, on a fait la démo de Tekken 8. On va faire ça et puis après Noël, hein, voilà. Là c'est bon. Est-ce qu'on peut... Non c'est bon. On va pas activer le chat vocal. On va rester tel qu'on est parce que de toute façon j'ai pas grand chose d'autre comme matériel.
Et donc les fêtards et nous on est les rétros. D'accord. Et elle est... Ah non, nous les durs à cuire. Ok, il y a trois équipes. Bon, va falloir qu'on se tire dessus, ça c'est sûr, mais bon. Bon, c'est fluide, c'est 60 images. Il y a des beaux reflets, franchement. Ok, on peut faire de la glissade. On peut escalader. C'est assez joli, hein. Franchement, il y a des beaux reflets. Mais ils sont deux, là. Merde. J'ai essayé de fuir. Parce que je savais qu'ils étaient deux. L'autre, je l'ai vu faire le tour du... Vous voyez, c'est même celui qui était en haut qui m'a niqué. Mais je le savais, c'est pour ça... réapparition. Ah, on peut demander une réanimation parce qu'on peut se réanimer entre nous, ouais. Mais vous savez, moi, autant les Call of... ça m'intéresse pas trop, autant ça. C'est un jeu qui peut peut-être m'intéresser un peu plus. On y va les gars. Faut qu'on aille par là-bas. En fait, faut qu'on récupère. Vous allez entendre du bruit parce que j'ai un chat qui me fait ses griffes sur un truc. Je gueule tous les jours pour qu'elle arrête. Mais elle continue quand même de le faire. Bon, j'ai loupé mon coup sur le truc. Franchement, c'est plutôt joli en plus, hein. Dans l'ensemble, au niveau visuel, c'est pas mal. Merde, j'ai plus de munitions, bordel. Comment il fait ça, lui? C'est pas mal parce qu'on crève pas en une balle, quoi. Merci. Maintenant, Après, fais gaffe, c'est la guérilla là-bas. Va pas te faire buter pour moi, hein. Hop, merci. On va faire attention parce que là-bas... il y avait un jaune qui traînait. Ouais, j'ai essayé de changer d'arme, mais en fait, je crois que c'est un rayon pour soigner que j'ai à côté. Ah putain, ouais, bah, forcément. On réapparaît sur le violet. Donc c'est mort. Mais c'est pas mal parce qu'on peut se faire des beaux duels quand même. On peut se faire des beaux duels en fait parce que... on a... on crève pas en deux balles. Et du coup, l'autre, il a fait des boucliers, des machins, je sais même pas comment il a fait tout ça. Oh là là. Après, ce serait pas mal qu'on aille au coffre. Putain. J'ai absolument pas l'arme qu'il faut pour aller faire ça. Hein. Ouais, j'ai pas trop compris comment on utilisait encore les tyroliennes là. Ah merde! Un idiot! Fallait appuyer sur triangle! J'ai appuyé trop tard en fait, ça s'est affiché et j'ai appuyé trop tard. Ah putain. Mais quel idiot. Elle a changé d'arsenal. J'ai rien d'autre donc je peux pas. Putain mais quel con.
suis vraiment débile, hein. Ah putain. Bon, je vous l'avais dit, hein, on n'est pas là pour voir du gameplay de qualité. Hein. Fais attention, toi, parce que le violet, il doit toujours être là. Hein. J'imagine qu'il faut que j'aille là-bas. C'est ça l'idée, mais là je suis tout seul en fait. Mes collègues ils sont pas avec moi. Comment j'y monte sur le bâtiment? Comme ça? Bon, bah j'aurais au moins réussi à faire ça. Mais j'y suis allé tout seul, hein. Mes collègues, ils étaient pas là. On est dans un stade et tout. En fait, c'est vraiment genre une compète, quoi. Là, faut que je tienne, mais mes collègues, ils sont pas avec moi. Ah, ils arrivent. Là, en gros, faut que je tienne le point, quoi. Merci, les gars. Parce que tout seul, je pense que j'aurais pas tenu le coup. Je sais même pas comment ils font tous ces trucs, là. Ah ouais, on peut mettre des tourelles. Ah, moi, j'ai pas tous ces équipements, encore. Oh, ça arrive dans tous les sens. Hop. Bon, j'en ai éclaté un. Faut qu'on arrive à tenir le coup, là. J'ai plus beaucoup de vie. Faut qu'on tienne le coup. Il va me laisser tout seul. Il va aller réanimer l'autre en bas, mais... Ah, ils sont deux, putain. Bah ouais. Putain, on va se faire niquer. Fait chier, on était à la fin. On s'est fait baiser, on allait réussir, putain. Bon. On était à la fin en plus. C'est dommage. Bon, vous voyez, moi j'ai moins de score de combat, mais je suis le seul à avoir un score d'objectif. Hein. Je suis mort plus que les autres, mais en fait c'est un peu le problème des jeux à objectif. C'est que la plupart des gens, ils... Il joue pas les objectifs. Quel que soit le mode de jeu et le jeu, ils jouent match à mort. Ils se tirent dessus, c'est tout ce qu'ils font. Et ils jouent pas les objectifs. Pourtant, c'est pas compliqué à comprendre les objectifs, là, pour le coup. Suivant. Vous avez débloqué le poids lourd, voir. Après, j'aurais peut-être dû faire les tutos pour comprendre un peu mieux comment on fait.
Ouais, c'est pour faire genre un corps d'homme, un corps de femme, quoi. C'est un peu ça l'idée, j'ai l'impression. Parce que là, il y a des visages d'hommes et des visages de femmes. Je pense que c'est ça l'idée. On s'en fout un peu, hein. On va le laisser comme il est, s'en fout. Et ben, on va l'essayer, écoutez. On va jouer. On va remettre partie rapide. Et ça, pluie de pièces. Combat. Machin. Crédit de réapparition illimité. Jouer à encaissement. Ben, on va essayer l'autre mode et puis on va voir. Comme ça, on s'arrêtera après. Les parties sont assez rapides. Bon alors, on se retrouve. Alors, je suis désolé, j'ai pas pu rattraper le fichier. Je sais pas ce que ça donne au niveau du son, j'espère que c'est pas trop mal. J'ai pas pu rattraper le fichier finalement. J'ai eu un gros problème de capture et ça m'a fait un truc tout pourri avec une image dégueulasse et surtout 30 images secondes. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est mis à faire ça d'un coup. Donc bah, on verra pas le deuxième mode de jeu dans cette vidéo. Bon, c'est pas très grave. Je voulais vous faire une petite outro quand même pour vous souhaiter de bonnes fêtes. Je referai une vidéo plus bilan et tout plus tard. Là, je voulais simplement vous souhaiter de bonnes fêtes. Ne picolez pas trop, faites pas trop les cons sur la route surtout. Ce serait dommage que vos proches finissent Noël avec un mort ou un blessé grave. Donc écoutez, on va se laisser là-dessus. Je suis désolé encore pour la vidéo pas complète, mais bon, c'est pas très grave. Le deuxième mode, c'est un peu le même principe. Donc écoutez, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine, avant le 31, c'est sûr. Salut à toutes et à tous.